Bonjour et bienvenue à la Minute Technique Solid Expert. Mon nom est Daniel Nau et aujourd'hui je vais vous montrer la création de macros dans Excel pour DriveWorks Pro. Ici à l'écran, nous avons un document Excel qui représente un document d'estimation et qui va lister tous les composants d'un assemblage. Ce document a été créé dans Excel avec l'extension XLSM. Le M veut dire que ce fichier contient une macro, très important. Par la suite, le document est capturé dans DriveWorks qui détaille tous les composants dans une liste de pièces. DriveWorks va ajouter les quantités de tous les composants nécessaires dans les cellules adjacentes dans la colonne C. Quand un composant n'est pas nécessaire, DriveWorks ajoutera la quantité à zéro. Le document final nécessite d'avoir toutes les lignes qui ont la quantité qui est égale à zéro supprimées, de sorte que les composants qui ne sont pas nécessaires ne seront pas représentés et le document d'estimation sera épuré. Pour créer une macro dans ce fichier, il suffit de cliquer sur l'onglet « Développeur ». Si ce dernier n'est pas affiché, allez à l'aide du bouton droit de la souris sur un onglet existant. Par la suite, personnalisez le ruban. Activez « Développeur » et cliquez sur ce dernier. Par la suite, activez le bouton « Visual Basic ». Allez tout en haut de l'arbre de VBA Project. À l'aide du bouton droit de la souris, faites une insertion d'un module. Renommez ce dernier avec le nom DriveWorks. Par la suite, inscrivez votre code VB. Dans le cas présent, nous allons copier un code déjà existant. Il est très important que cette macro ait le nom Create Reports, ce qui permettra à DriveWorks d'exécuter cette macro automatiquement lors de la création des documents Excel. Comme vous pouvez le remarquer, il y a quelques informations au tout début de la ligne qui sont faciles à contrôler, telles que la ligne de départ, qui est la ligne 19, la dernière ligne de la nomenclature, qui va être la ligne 28, par la suite, la colonne de départ, qui va être la colonne B, la dernière colonne, qui va être la colonne L. Par la suite, la colonne à regarder ou à scanner, qui sera la colonne C. Par la suite, la valeur que l'on veut vérifier, dans ce cas-ci, qui est 0. Donc, le code va tout simplement passer les lignes une par une jusqu'à la ligne 28. Il regardera si la valeur est égale à 0 pour la colonne C, elle supprimera tout simplement la ligne active. Par la suite, elle reformatera la nomenclature et terminera le fichier. Vous pouvez n'importe quand aller modifier une partie du code dans l'exemple que vous pouvez voir ici à l'écran. Mais n'oubliez pas de garder le nom de la macro à Create Reports et le nom du module à DriveWorks. Lorsque vous aurez fini, vous n'avez que tout simplement fermer Visual Basic et sauvegarder votre fichier. Lorsque le document sera créé dans DriveWorks, ce qui va arriver, c'est que la macro sera exécutée automatiquement et comme vous pouvez le voir ici à l'écran, toutes les lignes qui ont la quantité 0 seront supprimées, ce qui vous donnera un document d'estimation ou une liste de pièces épurée et facile à lire. Espérant que cette information vous sera utile dans vos projets de DriveWorks Pro. Merci et bonne journée.